Salut à vous! J'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui on se retrouve pour un swap. Ce sera le premier sur la chaîne et je suis très contente parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de swap depuis Noël. Et là je le refais avec la même personne en plus, donc qui porte le pseudo Lila1501. Que je vais, si elle ne m'en veut pas, prénommer Marine parce que je vais me planter tout le long, donc voilà. Et qui m'a envoyé voilà, son colis. Le mien est comme d'habitude en retard, c'est-à-dire que j'attends encore des réceptions pour pouvoir tout lui envoyer. Ce que je ferai, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers son blog. Allez, sans plus attendre, parce que moi j'en peux plus, il est là depuis hier et je ne pouvais pas filmer, donc du coup, on va commencer tout de suite. Alors, je vous laisse regarder tout ça. En gros, voilà. Et puis, on va regarder plus en détail, surtout. Alors, je regarde s'il n'y a pas de menu, parce que... Là, je vais voir. Là, je vois que j'ai une petite carte. Ah, c'est super mignon, j'adore. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, je lis, Ouais, en plus, on se donne déjà rendez-vous pour notre prochain swap, qui est le même que l'année dernière, mais je vous en reparlerai une autre fois. Merci, merci Marine. Bisous, tu comprendras pourquoi. Alors, le premier colis. J'ai a priori pas d'homme, hein. Je pense que je fais pas de bêtises. Non. Regardez-moi ce papier printanier au possible. J'adore. Alors, ça, c'est mou. Ah oui, je vous ai pas donné le thème du swap, ce serait sympa quand même. Donc, il s'agit du swap Les Animaux Fantastiques et Harry Potter, l'univers de J.K. Rowling. Du coup, je suis un petit peu dingue, puisque moi aussi, je fais partie des Potterheads, des fans. Voilà. Donc, alors, Marine commence à vouloir faire agrandir mon tour de taille déjà bien grand. Mais avec des choses que j'adore. Oh là là. Grillé et tout, c'est trop bon quoi. Des chamallows. Super. Franchement, on ne voit pas, c'est pas grave. J'adore. Merci. Moi, je vais. Ouais, non, je vais faire comme tout le monde. En fait, je vais dire merci tout le temps. Donc non. Je vais essayer de faire autrement. Ensuite, alors j'ai des petits paquets. Ah, super. Elle m'a mis un assortiment en fait. De thé, de tisane visiblement. Donc je vais avoir une infusion abricot, pêche et goyave. Et je suis déjà... Oh, voilà. Ensuite... Ok, alors ça c'est pas de l'anglais, c'est pas du français. Mais enfin, il y a quand même no stress. Elle me connaît bien. Alors, ensuite... Ah. Ça ferait plaisir ma petite Laurence. C'est du thé noir. Du coup, raspberry, ça doit être... Je devais dire une bêtise. Myrtille, je sais plus. Non, c'est cranberries. Je sais plus. Je m'en fous. Ça sent trop bon. Et alors là... Oula. Ça, c'est du thé vert, cette fois. Au citron confit. Trop bien, franchement. Ah ouais, merci Marine. Mais il y en a encore, hein. Il y a du thé au citron. J'adore les assortiments plus que les boîtes. On a une infusion pomme cannelle. Alors celui-là, il me fait tout l'hiver en général. Et une infusion détente sommeil. C'est juste tout à fait pour moi. Donc déjà pour... Pour le miam 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 miam, c'est bien trouvé. Hein. Alors ensuite, je crois qu'on passe à des choses plus solides. Ok, là, je pense que c'est un DVD là. Je le sens bien. Donc si je me trompe pas, ça doit être oui. Le DVD des Animaux Fantastiques. Voilà. Ah, c'est trop bien.
Je l'ai vu au ciné. Je sais pas si je te l'avais dit, Marine. Je l'ai vu au ciné et franchement, j'ai besoin de le revoir parce qu'il y a trop d'éléments nouveaux que j'ai plus compris vers la fin. Et voilà, donc j'avais vraiment, 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 vraiment envie de ce DVD. On se calme. Respirons ensemble. Alors, ensuite un deuxième. Ça, c'est moins régulier. Elle sait que je suis une fan de bougies, hein, donc peut-être que. Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Qu'est-ce qu'elle m'a pris? C'est vachement bien emballé en plus, hein. Ça, c'est Marine. Ah! Excellent! Excellent! J'arrive à vous la sortir sans l'abîmer. Donc, elle va aller rejoindre les autres mugs. Ah, je suis obligée de casser l'emballage, hein. Désolée, Marine. Là. Alors, le mug de Dragono. Et derrière, on a Fantastic Beasts. Super, je la refais. Fantastic Beasts. Tu gères. Franchement, tu gères trop, quoi. C'est génial. Bon, alors là, j'ai du papier partout, hein. Attendez, je fais un petit peu. Ouais, voilà, c'est mieux organisé. Du coup, les papiers sont là et les colis qu'il me reste à ouvrir sont là. Alors après, on a une boîte qui me fait vraiment penser au Funko, mais je dis ça, je dis rien. À savoir que moi, j'ai pas du tout de Funko. C'est pas faute d'aimer ça. Mais je sais pas, il s'est trouvé que dans les swaps, dans mes achats, ben, j'en ai pas trop. Voilà, je ne me suis jamais procurée. Et là, bah, la première, elle tombe trop bien. C'est Harry Potter avec Edwige. Alors, vous ne voyez pas Edwige parce que elle est là. Mais je trouve, pour commencer à une collection, c'est génial, hein? Harry. Ensuite. Ça, moi, je dis que c'est des marque-tapage MP et autres. Hein. Comment ça, j'ai l'air complètement excitée d'ailleurs au passage, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ouvrir des swaps, ni en faire. Oh là là, oh là 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 là, oh, Marine. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises avec les Horcruxes. Ben, voilà quoi, je. J'adore, je pourrais même pas le mettre dans un livre. Dans un livre. Il est juste trop beau. Il est magnifique. Merci Marie. Alors, ensuite, ça sent le livre. Hein. Ça sent le livre. Qu'est-ce qu'elle m'a fait encore comme folie? Parce que j'ai encore trois paquets quand même à ouvrir. Hein. Aïe, 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 aïe. Marine, elle a un petit, comment dire, une petite astuce en fait. Quand on a un nombre de colis précis, elle t'en fait deux en un. Tu vois le truc, voilà. Alors, trop bien. Merci, merci, merci. Il va rejoindre ma grande collection de livres Harry Potter. Et je vous le fais voir, il est juste magnifique, quoi. J'espère que ça va le faire. Il y a vraiment des illustrations. Enfin, voilà, pour moi en plus c'est un screen, donc du coup enfin, ça me rappelle le théâtre, quoi. Donc c'est top. Je vous parlerai peut-être du théâtre un jour. Alors. Ça, c'est pas un livre.
pas un CD, c'est pas un DVD. Ce serait pas du chocolat. Du chocolat. Ouais, hein. T'avais pas oublié mon amour du caramel. C'est un super Lime Création crème brûlée. J'adore. Il rejoint les sucreries que j'ai envie d'ouvrir là. Je vais être sage. Ensuite. Ça aussi, c'est un livre. Alors, elle m'a dit dans son petit mot qu'il y avait un livre qui n'était pas dans la wishlist qu'on a faite. Donc, elle veut me faire découvrir. Je te remercie parce que j'aime beaucoup, mais c'est pas celui-là. Ça, c'est pas celui-là. Alors, j'ai tous les Harry Potter, mais forcément, moi, j'ai la collection des folios d'il y a 15 ans. Après, ouais, quand ils sont sortis. Et du coup, comme ils ont pas mal morflé, je les veux plus neufs. Et voilà, Marine m'a acheté le tome 1 Harry Potter à l'école des sorciers, toujours chez Folio Junior. Merci beaucoup. Ah oui, j'y vais préciser, hein, de toute façon, toute la franchise, c'est chez Gallimard. Donc ça, c'est Gallimard Jeunesse. Et Folio, qui est leur version poche. Et le dernier, ça doit être une découverte. Alors du coup, qu'est-ce que ça peut être? Pourtant, et ben c'est le carnet magique de Norbert Dragono. Je sais pas si c'est ça ta découverte, mais effectivement, je crois bien que je l'avais pas mis dans la wishlist. Ouais, d'accord. Alors là, il est emballé, hein, les gens, donc je vais pas pouvoir l'ouvrir. On va perdre du temps. Mais à mon avis, il doit y avoir des... Vous savez, en fait, ces livres qui sont interactifs, c'est vraiment le genre de beau livre. C'est folle, quoi. Franchement, c'est adorable, quoi. Je pense que c'est ça. J'espère que j'oublie rien. Mais non, mais c'est ça, parce qu'il n'était pas dans ma wishlist. Bon, ben du coup, voilà, hein, ma pile Harry Potter a vachement augmenté. Et maintenant, j'aurai une décoration pop et tout. Et une nouvelle tasse mug sur les animaux fantastiques. Bon, ben vous l'aurez compris, ce swap est terminé, heureusement, hein, parce qu'il y en a partout. Encore une fois, ma petite Marine, je te fais d'énormes bisous. T'es quelqu'un d'adorable. Je pense que je t'aurais répondu par message privé, en fait, d'ici là. Ton dernier message m'a énormément touchée. Il est vraiment encourageant et je t'embrasse. Je te remercie encore plein de fois pour tout ça. Il n'y a aucune fausse note, quoi. C'est tout bien. Si, en fait, je vais encore prendre des kilos, quoi, alors que je suis censée faire l'inverse. Mais allez, on s'en fiche, on s'en fout. Je vous dis à tous, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais faire le récap comme les autres. Hein. Maintenant, je vais être sérieuse avec ça. Si vous aimez, bah, je vous propose le petit pouce. Et puis, vous pouvez avec grand plaisir me laisser des commentaires. Je réponds toujours le plus vite possible. Vous pouvez vous abonner aussi. Puisque vont venir, je le filme juste après pour m'avancer, un book haul et un unboxing et un point lecture pour le début de la semaine prochaine. Et plein de choses encore puisque les imaginales approchent, donc un premier vlog, voilà. Voilà, voilà. Donc moi aussi, je vous souhaite de passer de très belles lectures, de faire de nouvelles découvertes aussi. Et on se retrouve très très vite. Bye bye!